Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire des énergies de la semaine à venir, celle du 5 au 11 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez passé une belle et une bonne semaine ainsi qu'un bon week-end. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances, je vous le souhaite. Si c'est le cas, eh bien buvez un verre à ma santé ainsi qu'à la vôtre et puis surtout profitez-en un maximum. Je vais essayer de pas faire trop de blabla dans cette vidéo. Je vais me faire violence pour ne pas faire une vidéo de 2 heures. Je vais essayer. Et je vous ai prévu une petite surprise avant de commencer notre tirage. Je vais vous proposer un petit rituel. Ouais, c'est gratuit, c'est bonus, c'est cadeau, c'est Noël avant l'heure. Pourquoi je vous fais ça? Parce que j'ai eu un commentaire sous la vidéo que je vous ai postée hier hein, sur les outils magiques, qui me demandait s'il était possible que je vous montre comment utiliser les poupées et les rubans à bon escient. Et j'ai trouvé le commentaire très judicieux. C'était une remarque qui était très pertinente parce que effectivement, c'est une magie qui peut s'avérer, enfin c'est pas qui peut, qui est en fait, qui est assez puissante, voire très puissante quand elle est bien employée, quand elle est bien utilisée. Mais il faut pas, disons que c'est le type de magie que je veux pas vous montrer de façon publique, parce que comme vous le savez, désormais vous pouvez rejoindre la chaîne puisque j'ai créé un abonnement de 4,99€ qui vous permet d'accéder à plein d'avantages, entre autres du contenu exclusif, des vidéos supplémentaires où là je vous montre vraiment des vidéos pratiques sur les rituels, c'est-à-dire que je vous montre le rituel, je vous donne les formules qui sont issues de mon livre des ombres, etc. Je vous explique tout de façon tuto, etc. etc. Toutes les vidéos qui sont dans l'onglet entre guillemets VIP sont dénués de publicité puisqu'après tout vous payez un abonnement, donc je vous retire toutes les publicités pour que vous puissiez profiter pleinement de la vidéo. Il y a des live voyances, enfin je les ai pas encore mis en place mais c'est prévu puisque je répondrai directement à vos questions, mais c'était trop le bazar de tout gérer, je vous l'avais plus ou moins expliqué au mois d'avril on avait fait un essai et puis c'était trop compliqué, donc du coup tout ce qui est un petit peu accès privatif, comme vous le savez j'ai plus vraiment de temps pour faire les consultations privées en plus de tout ce que j'ai à faire. Donc du coup, je vais plutôt passer par l'onglet des lives pour répondre directement à vos questions. Et entre autres, dans ces vidéos-là, j'ai commencé à vous faire des vidéos rituelles où je vous montre déjà la magie des poupées, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment une magie que je tiens pas trop à montrer en public. Déjà, de base, ma pratique magique, je n'ai pas envie de la diffuser de façon publique. Pourquoi? Alors, c'est pas du tout pour me faire du fric là-dessus. Pas du tout, parce que si je voulais me faire du fric, j'aurais pu mettre l'abonnement beaucoup plus cher. Hein. Sachez que sur YouTube, il y a plusieurs barèmes. Et je crois que le plus haut, il me semble que c'est 30 balles, un truc comme ça, ou même plus cher, je crois encore, parce que je crois qu'on peut fixer nous-mêmes nos tarifs. Là, non, j'ai pris quelque chose qui est facile, qui est pas très cher, 5€ par mois, ça coûte pas grand-chose. Hein, j'aurais pu y mettre beaucoup plus cher, donc c'est pas du tout pour me faire du fric que je fais ça. C'est simplement que s'il y en a qui peuvent diffuser leur magie sans aucun problème, eh ben moi, ça me pose un problème, déjà d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. Je suis désolé, mais la magie, c'est pas quelque chose qu'il faut confier dans toutes les mains. C'est pas quelque chose avec laquelle il faut jouer sans souci des conséquences, sans rien du tout. Ça me pose vraiment un problème. Et puis surtout, il y a quand même des préceptes, il y a quand même des lois dans la magie qui nous dit, entre autres, une, de garder le secret, de conserver justement le secret de notre pratique magique. Donc c'est pour ça que en fait, cet onglet rejoindre, c'est un peu le Cowen de la chaîne L'œil dans le noir. Donc si vous voulez rejoindre, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille. Et vous aurez accès à des bonus supplémentaires. Mais sinon,
Il y aura vraiment peu de rituels qui seront disponibles sur la chaîne, ou alors ce seront vraiment des rituels qui seront simples, qui seront vraiment très lumineux, très positifs, très blancs, type se protéger, des choses comme ça. Mais voilà, tout ce qui sera magie un petit peu plus élaboré, ça sera tout en privé. Donc quand même, je me suis dit, tu vas au moins leur mettre l'eau à la bouche et surtout qu'ils ne se sentent pas punis par rapport aux autres qui ont l'abonnement. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer ce petit rituel. Alors vous allez voir que c'est un rituel qui est simple à réaliser, mais qui est redoutable, vraiment redoutable. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des résultats qui étaient plus que positifs. C'est un rituel qui est un petit peu, comment je pourrais vous dire, qui est ni magie blanche ni magie noire. C'est-à-dire que ce rituel va vous permettre en fait de neutraliser des actions négatives de quelqu'un. C'est-à-dire que s'il y a une personne autour de vous qui pratique la magie ou qui manipule des énergies, etc., que vous soupçonnez, qui vous ait envoyé le mauvais œil, un mauvais sort, de mauvaises énergies, une entité, n'importe quoi, ou quelqu'un qui répand en fait le mal autour de lui, eh bien ce rituel va permettre en fait de lier les énergies qu'elle dégage à elle-même afin de lui renvoyer ses propres sorts. Et franchement, c'est un rituel qui est vraiment simple et qui est très efficace. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un ruban noir. Vous allez dans votre mercerie préférée et là, moi, ça m'a coûté 1 euro. Je vous montre, le ruban fait un petit peu plus d'un centimètre d'épaisseur. J'ai 1 mètre au total, ça m'a vraiment coûté 1 euro. Donc les rubans, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher. Pourquoi noir? Parce que comme je vous l'explique dans la vidéo des outils magiques, le noir permet d'absorber les énergies. Hein, c'est pas du tout lié à la magie noire, absolument pas. C'est d'un ridicule et d'un cliché là encore. Donc enlevez-vous de la tête que bougie noire égale magie noire. Ruban noir égale magie noire. Hein, voilà, enlevez-vous ces clichés, je vous en supplie. Non, le noir, vous prenez un exemple très concret. L'été, quand il fait chaud, quand vous êtes en plein soleil, eh ben, il vaut mieux porter un t-shirt blanc qu'un t-shirt noir. Pourquoi? Parce que le t-shirt blanc va absorber toutes les couleurs du prisme, toutes les couleurs, en fait, toutes les ondes de couleurs de la lumière, et va en fait les renvoyer sans les garder. Que le noir, en revanche, va absorber aussi toutes les ondes, toutes les fréquences de la lumière, mais va tout garder. C'est pour ça que le noir va créer de l'énergie, et c'est pour ça que vous allez avoir plus chaud quand vous serez habillé en noir, alors que le blanc, lui, va absorber, mais va rediffuser derrière, donc il ne va pas créer d'énergie. Eh ben, le noir, c'est le même principe. Ayez plutôt cette symbolique en tête, à savoir que le noir va absorber sans diffuser. Et nous, c'est ce qu'on veut justement, puisqu'on veut neutraliser quelqu'un qui pratique des choses pas très propres, qui nuit à d'autres personnes. Donc par conséquent, on veut le sceller dans ses énergies, on veut essayer de l'enfermer dans une espèce de bulle qui fera que ses énergies et sa magie ne pourront pas affecter d'autres mondes. Ok ? Donc, votre ruban noir, vous aurez besoin d'une petite poupée rituelle. La poupée rituelle, je vous ai fait une vidéo sur comment réaliser une poupée rituelle, mais qui est disponible dans l'onglet rejoindre justement. D'ailleurs, je vous ai prévu deux vidéos, enfin il y aura une deuxième vidéo, puisque la première c'est comment réaliser une poupée rituelle sans machine à coudre, c'est-à-dire à la main, et la deuxième ça sera avec une machine à coudre. Comme ça, ceux qui n'ont pas de machine à coudre, vous savez comment faire, et ceux qui en ont une, je vous montrerai comment faire aussi. Voilà. Donc votre petite poupée rituelle, ça par contre, j'insiste, ne l'achetez pas, je vous en supplie. Oui, vous pouvez en trouver très facilement. Vous tapez sur Amazon poupée vaudou, vous allez en avoir plein qui ressemblent. D'ailleurs, je me suis inspiré, il y a un modèle que j'avais trouvé sur Amazon et en fait, j'avais bien aimé sa tête. Donc du coup, je me suis juste inspiré du modèle. Mais s'il vous plaît, n'achetez pas vos poupées rituelles, je vous en supplie, c'est facile à faire, il vous faut pas grand chose, du tissu, un peu de ouate ou des plantes que vous pouvez pour remplir votre poupée. Vous pouvez la faire en pâte à sel, en poterie, en pâte fimo, en tout ce que vous voulez. Ça peut être juste du tissu, ça peut être des plantes aussi. Vous prenez une plante, par exemple un épi de blé, vous prenez les feuilles, vous faites votre poupée. Vraiment, vous pouvez la faire avec plein de choses, ça prend 5-10 minutes, c'est ludique en plus à réaliser et surtout vous allez y mettre de l'énergie à l'intérieur, vous allez la consacrer naturellement. Sachez qu'en magie, quand vous fabriquez quelque chose, quelque part vous n'avez pas besoin de le consacrer parce que le fait de fabriquer
forcément, vous mettez l'intention dedans. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre poupée rituelle, en même temps que vous la faites, vous pensez bien que, enfin, vous pensez de façon consciente ou inconsciente que votre poupée, c'est pour justement un rituel, pour votre pratique magique, etc., etc. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de la consacrer derrière, puisque tout le temps que vous avez mis pour la fabriquer, vous n'avez pas arrêté de penser justement à quoi elle va servir et dans quel but. Et puis juste la motivation que vous avez mis dans votre création va suffire en fait à la consacrer. Donc c'est pour ça, essayez au maximum dans la magie de fabriquer par vous-même les choses. Même les bougies, c'est possible que vous puissiez les faire, les fabriquer. Fabriquez-les. Alors, pareil, la bougie, ça coûte pas grand-chose. Vous prenez un kilo de cire de soja, vous prenez des petites verrines, les petites mèches, vous faites fondre dans votre verrine, il n'y a même pas besoin de moule, rien du tout. Essayez vraiment au maximum dans la magie de fabriquer les choses. Mais pour la poupée, c'est quand même un outil qui est très intime, qui est très particulier. Donc vraiment, essayez de la fabriquer et de ne pas l'acheter, je vous en supplie. Parce qu'on ne sait pas par qui ça a été fabriqué. Ça se trouve, c'est peut-être fabriqué par des enfants, je ne sais où. On ne sait pas l'intention qui a été mise dedans, etc. Et même si vous la purifiez et que vous la consacrez, il y aura toujours des énergies résiduelles qui risquent de polluer votre rituel. Donc vraiment, je vous en supplie, n'achetez pas, surtout pas ça. S'il y a bien un outil qu'il ne faut pas acheter, c'est bien les poupées rituelles. Ça, je vous en supplie, ne les achetez pas. Donc, une poupée rituelle, votre ruban noir, il vous faut une bougie et bien sûr, votre quartz. Pareil, à chaque fois que vous faites un rituel, essayez toujours d'avoir votre quartz avec vous. Votre pointe de quartz, c'est important. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, ça permet d'amplifier. Le quartz, c'est un émetteur et un récepteur. Ça va permettre d'amplifier l'énergie, mais aussi de la recevoir. Et surtout, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, le quartz, c'est la seule pierre qu'on peut programmer pour une tâche. D'accord ? Donc du coup, lorsque vous allez travailler un rituel, n'importe quoi, même si c'est juste une petite prière, un truc vite fait, n'importe quoi, ayez toujours votre quartz pour amplifier le signal, pour amplifier l'énergie, d'accord ? Par contre, pensez bien à programmer votre quartz en disant, voilà, toi, tu vas vraiment amplifier mes rituels, tu vas amplifier mes demandes, tu vas amplifier ce que je veux envoyer dans le ciel, etc., etc. Vraiment, programmez votre cristal avant et une fois qu'il sera programmé, vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit puisqu'il sera programmé. Par contre, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, mais je vais quand même le dire. Si du coup vous voulez avoir plusieurs programmations pour différentes choses, il vous faudra plusieurs quartz à chaque fois. Parce qu'une fois qu'un quartz est programmé pour quelque chose, c'est un petit peu délicat de le déprogrammer pour le reprogrammer. Hein. Il n'y a pas une touche reboot ou reset qui permet de tout effacer et on refait une nouvelle sauvegarde. Non, ça marche pas bien comme ça. En principe, quand un quartz est programmé à quelque chose, j'ai envie de dire, c'est presque à usage unique. Donc, restez sur quelque chose de général. Vous lui dites qu'il servira à amplifier le signal, à amplifier les énergies. Vous le programmez pour ça. Comme ça, ça reste très général. Voilà. Donc, votre quartz, vous allez allumer votre petite bougie. Bien sûr, on n'oublie pas quelque chose d'important. On purifie avant. Vous n'oubliez pas aussi votre cercle, donc on fait les choses dans l'ordre, on commence d'abord par le cercle, vous tracez votre cercle, soit à la craie, avec du sel, avec votre baguette, surtout pas avec la tamée, parce que moi, enfin, c'est psychologique, hein. Mais si vous tracez votre cercle avec la tamée, j'ai l'impression au contraire que vous coupez l'air, que vous fendez l'air, et par conséquent, enfin moi, à chaque fois que j'utilise un tamé, je suis vraiment en train de visualiser l'air qui se coupe en deux, et j'ai vraiment du mal, au contraire, à visualiser quelque chose qui se crée. Donc plutôt utilisez votre baguette pour faire votre cercle, mais voilà, la tamée, après si vous la tamée ça vous parle, au contraire utilisez votre tamée, hein, y a pas de souci. Hein. Moi je vous parle de moi, mais c'est valable que pour moi, c'est pas valable pour vous. Donc une fois que vous avez fait votre cercle de protection, on n'oublie pas aussi quand même d'avoir quelque chose pour se protéger, parce que comme je l'ai dit, le cercle c'est bien, mais plus on accumule les protections, mieux c'est quand même. Donc le cercle c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc à la rigueur vous prenez une petite obsidienne, un petit pentacle, une petite triquetra, un petit symbole de protection, votre chapelet, n'importe quoi, ce qui vous parle, hein, ce qui pour vous représente la protection, prenez-le avec vous, parce que là quand même on fait une magie qui est assez puissante, qui n'est pas une magie blanche, qui n'est pas une magie noire, mais qui est une magie assez expéditive dans sa façon de fonctionner.
mais pour nous protéger de quelque chose ou protéger un groupe de personnes d'une influence d'une autre personne, d'accord? Donc une fois que vous avez fait votre cercle, que vous avez vos protections, on n'oublie pas de se purifier, on purifie l'espace, notre espace de travail, soit avec du Palo Santo, soit avec de la sauge. Vous pouvez aussi utiliser de l'encens, bah je vais le garder parce que du coup on va purifier après l'espace pour les cartes. Soit donc Palo Santo, soit sauge, soit de l'encens de travail. Je vous rappelle que l'encens, moi j'appelle encens de travail, c'est les encens en résine, donc charbon et résine. Je vous redonne la petite astuce pour éviter de faire cramer votre résine. Quand votre charbon est ardent, vous mettez de la cendre par-dessus et vous placez vos grains de résine. Et vous allez voir que grâce à ça, en fait, vos grains de résine vont fondre et vont diffuser vraiment l'odeur et la fragrance de l'encens. Que si vous posez directement la résine sur le charbon qui fait quand même 800 degrés, ça va le saisir, ça va le brûler en fait à l'extérieur et ça va vous diffuser une odeur brûlée. Et vous n'allez pas profiter pleinement de l'odeur de l'encens. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous faites le vide, bien sûr, hein, naturellement, et là vous allez prendre votre poupée et vous allez visualiser la personne en question. Donc moi je sais pas, c'est votre voisine, hein, votre voisine, vous la suspectez d'être de tremper dans ces choses-là, parce que bizarrement à chaque fois que vous la voyez le matin, il vous arrive une tuile, à chaque fois qu'elle vous parle, la voiture, vous crevez un pneu, enfin il y a toujours un truc. Donc du coup vous suspectez qu'effectivement elle fait des trucs pas très nets. Puis elle a un comportement bizarre, ben voilà. Mais attention, soyez sûr de vous, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas juste parce que vous n'aimez pas quelqu'un ou parce que vous voulez vous venger de quelqu'un. Ça, je vous en supplie les amis, ne faites pas ce rituel pour venger, pour quoi que ce soit. Soyez sûr et certain que la personne à laquelle vous êtes en train de penser, que vous avez des preuves par A plus B qui prouvent que cette personne est toxique pour les autres, qu'elle pratique soit de la magie noire, le mauvais œil, n'importe quoi, qu'elle envoie des choses à d'autres personnes, ou qu'elle émet des énergies négatives, ou qu'elle vous a vous-même agressé, envoyé quelque chose de mauvais, etc. Voilà, il faut vraiment que soit justifié, hein. C'est pas juste une vengeance, c'est pas juste parce que là, dites-vous une chose, c'est que si vous le faites sans preuve ou par ou animé par un esprit de vengeance ou autre, eh bien sachez que la magie va complètement se retourner contre vous. C'est vous que ça va lier, que ça va emprisonner et vous allez devenir un vrai réceptacle, un vrai récepteur aux énergies négatives. Donc au contraire, vous allez vous attirer pas mal de merdouilles, d'accord? Donc, soyez sûr et certain que la personne que vous visez, c'est vraiment une personne dont vous avez les preuves que c'est quelqu'un qui est néfaste, qui est négatif, d'accord? Et qu'elle nuit à son entourage ou à d'autres personnes, ou qu'elle vous a nuit à vous-même ou à votre famille, que vous avez les preuves qu'elle a fait un travail ésotérique ou magique sur vous dans le but de vous nuire, etc. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Soyez sûr de vous avant de le faire. Ok ? Donc, vous prenez cet instant pour bien visualiser la personne, pour visualiser justement ce qu'elle a fait, ce qu'elle vous a envoyé, la magie qu'elle pratique, etc., etc. Vraiment, vous n'avez même pas besoin de prier ou de dire « Toi, je vais te planter des épingles ». Non, non. Juste, vous prenez votre poupée et vous visualisez vraiment un maximum cette personne, ce qu'elle a fait, etc. Tout ce qu'elle engendre et compagnie. Et puis ensuite, vous allez prendre le ruban et tout simplement, vous allez le lier autour de la poupée en psalmodiant 4 vers. Vous allez voir, je vous donne la petite formule. Elle est très simple à retenir. N'hésitez pas à la réécouter pour vous l'écrire. Elle provient de mon livre des ombres et je vous autorise à la prendre et à la mettre également dans votre livre des ombres. Donc, vous allez prendre votre ruban. Et à chaque tour, donc vous prenez bien votre temps et vous visualisez vraiment le ruban comme si c'était une chaîne. Et vous êtes en train d'enchaîner la personne dans les énergies qu'elle a fait, dans le mal qu'elle a fait, etc. Vraiment comme si, voilà, à chaque fois que vous faites un tour de ruban, ça prive la personne de ses pouvoirs, en gros, voilà. Et vous dites à chaque fois, pour tes actes diffamatoires, j'invoque le cône de pouvoir. Afin de sceller tes énergies noires et qu'elles soient ta sentence condamnatoire. Et à chaque tour, vous répétez autant de fois que nécessaire.
Pour tes actes diffamatoires, j'invoque le cône de pouvoir afin de sceller tes énergies noires et qu'elle soit ta sentence condamnatoire. Pour tes actes diffamatoires, j'invoque le cône de pouvoir afin de sceller tes énergies noires et qu'elle soit ta sentence condamnatoire. Voilà. Et une fois que votre poupée après est liée, tout simplement, vous allez la poser. Et vous pouvez laisser le charme opérer aussi longtemps que vous voulez. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes le maître de ce rituel. Tant que vous n'avez pas levé le rituel, la magie, en théorie, continuera à être alimentée. Ça, c'est un rituel qui est assez simple, qui est relativement bien efficace. Par contre, après, ça dépend du degré de la personne. C'est-à-dire que la personne, entre guillemets, dont vous êtes en train de priver de ses pouvoirs ou de ses capacités, faites attention que la personne ne patauge pas dans des choses qui soient très avancées en magie. C'est-à-dire que si vous, vous êtes plutôt débutant, et que la personne en face, c'est vraiment quelqu'un qui est à un grade très très au-dessus, avec beaucoup d'expérience, et puis... Alors, votre sortilège fonctionnera, mais il aura quand même certaines limites, hein. Surtout si c'est quelqu'un qui est foncièrement tourné vers le noir, au contraire, ça peut même le nourrir en énergie. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention à ce que vous pratiquez, à ce que vous faites. La magie, ça ne s'improvise pas, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en considération. Donc voilà. Mais ça, voilà, c'est un petit rituel qui est assez simple. En principe, on rencontre pas des sorciers malfaisants quand même à tous les coins de rue, qu'on soit bien d'accord. La plupart des personnes qui souffrent de petits maux de la vie, c'est parce que c'est un petit mauvais œil qui a été envoyé, c'est une petite pseudo-malédiction à la noix trouvée dans un magazine féminin. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, c'est de la magie un peu cradouille, c'est un truc qui peut être très facilement enlevé, et la personne peut être facilement aussi privée, entre guillemets, de ses énergies et de ce qu'elle pratique, parce que, voilà, c'est rare quand même de tomber sur quelqu'un qui est très avancé à ce niveau-là. Voilà donc pour ce petit rituel qui est extrêmement simple à réaliser, vous l'avez vu, hein. Et la poupée, tout simplement, vous pouvez la laisser dans un petit coin, vous la mettez même à l'abri des regards indiscrets, genre dans une petite boîte à chaussures, vous la rangez dans un placard, etc. Voilà. Tant que vous êtes en contact avec cette personne, vous gardez le charme actif, ne serait-ce que pour vous protéger, vous et votre famille, hein. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est une collègue de travail, bah forcément, la collègue, vous la voyez tous les jours, et bah pour vous protéger au moins de son influence négative, c'est bien de conserver le charme actif. Et puis le jour où vous n'êtes plus en contact avec cette personne, eh bien le charme, vous pouvez le défaire tout simplement. Et il vous suffit, aussi naturellement que ce soit, de défaire tout simplement le ruban. Voilà, comme ceci. Vous allez ensuite nettoyer votre poupée. Alors, éventuellement, vous pouvez vraiment la nettoyer, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire vous la passez en machine, vraiment, comme ça, ça va la nettoyer de l'intérieur. Vous pouvez également la purifier, la reconsacrer, lui redonner une autre vie, puisque les poupées, hein, je vous l'ai dit, il y en a certaines qui sont à usage unique, mais il y en a d'autres qu'on peut réutiliser. Le problème, c'est que là, quand une poupée est consacrée, attention, je vous montrerai, alors ça pareil, je vous montrerai dans d'autres vidéos qui seront peut-être privées, celles-ci, mais je vous montrerai des rituels pour consacrer, pour nommer une poupée. C'est-à-dire qu'une fois que vous lui avez donné un nom, que vous lui avez attribué en fait une identité, malheureusement, elle sera à usage unique. Donc c'est pour ça que je vous dis juste, vous pensez à la personne, il n'y a pas besoin de nommer la poupée, parce que si vous nommez votre poupée, ben, c'est dommage, elle partira à la poubelle, enfin elle sera consacrée que pour cette personne là, d'accord? Mais voilà, je pense que je vous ferai des vidéos complètes sur les poupées, etc. parce que c'est vraiment une magie qui est très intéressante, et puis j'ai envie aussi de vous casser le cliché des épingles qu'on plante, parce que les poupées ça sert pas qu'à ça, franchement quand je vois qu'on a tous ce cliché des épingles. Mais ça, c'est un rituel en plus qui n'existe pas vraiment. Je sais même pas d'où ça vient, parce que c'est un rituel qui n'existe pas vraiment en fait. Le fait de planter des épingles comme ça, je pense que ça doit venir d'un truc, d'un film d'Hollywood ou je sais pas quoi, parce que il n'y a pas de rituel à ma connaissance où vraiment il faut planter des trucs ou non. Croyez-moi, il y a d'autres moyens pour faire mal avec des poupées que les épingles.
Mais je vous ferai des vidéos plus complètes sur le sujet des poupées. C'est vraiment une magie qui peut être très intéressante, qui est facile à réaliser. C'est ça qui fait peur justement, c'est que c'est très facile à réaliser. Ça vous permet en plus de visualiser très facilement une situation ou une personne. Et puis comme vous avez pu le voir, c'est très visible, hein, c'est facile de visualiser puisque là on imagine la personne qu'on est en train d'enchaîner. Vous voyez, c'est facile quand même de pouvoir visualiser quand c'est comme ça. Que quand on fait un travail mental où il faut vraiment tout imaginer, tout visualiser, ça peut être beaucoup plus compliqué. Que là non, vraiment on voit ce qu'on est en train de faire, c'est comme si on le faisait. Donc c'est pour ça que la magie des poupées, il faut pas faire n'importe quoi avec. Voilà donc mes amis pour ce petit rituel bonus cadeau. Maintenant je vous propose de passer à notre tirage des énergies de la semaine, donc la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Allez les amis, comme d'habitude, la vidéo va se diviser en 4 parties avec l'aspect un petit peu de divination sur la semaine à venir avec nos runes Futhark, notre œil dans le noir et notre carré fantabuleux. On fera ensuite la partie breloque pour venir compléter tout ça avec les baguettes chinoises, le rond de cristal, les runes sorcières et les pièces de fortune. On fera aussi la partie guidance amoureuse avec l'oracle de la vision interdite puisque visiblement vous avez adoré l'aspect de travailler ses peurs, etc. pour trouver les problématiques en amour. Donc du coup j'ai gardé cette formule et on viendra soutenir tout ça avec l'oracle du veilleur. D'ailleurs les amis, en parlant du veilleur, normalement au moment où vous devriez regarder la vidéo, les veilleurs devraient être expédiés. Ça y est, enfin on a fini les enveloppes avec l'aide de ma maman et Cédric qui ont travaillé dur. C'est eux qui ont fait les enveloppes pendant que j'étais au travail. C'est comme vous le savez, avec mon travail, surtout là, on a fait quelques services qui étaient assez sympas cette semaine, même toute la semaine dernière. Donc c'est vrai que niveau temps, j'en dispose vraiment peu et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de pouvoir tout concilier. Donc là, merci à Cédric et à ma petite maman qui ont travaillé dur et il n'y a plus qu'à poster les enveloppes qui sont toutes prêtes. Donc patience, encore quelques jours ou une grosse semaine pour ceux à qui j'envoie à l'étranger, vous devriez enfin recevoir votre jeu les amis. Je suis content. Et donc je disais, après en quatrième et dernière partie, on fera donc l'astrochance de la semaine. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on va s'allumer notre petite bougie, on va purifier notre espace de travail, ça je vous l'ai déjà dit, avant de faire quoi que ce soit le pendule, que ce soit les cartes, n'importe quoi, pensez à bien purifier votre espace de travail, c'est super important. Je vous demanderai de le faire plutôt avec des choses assez naturelles, type soit du Palo Santo, soit de la sauge, soit de l'encens de travail. Évitez de le faire avec les encens que j'appelle ambiance. Donc c'est les bâtons, les cônes, les choses comme ça. Pourquoi ? Parce que même s'ils sont de très bonne qualité, je prends par exemple le Nakshampa qui sent extrêmement bon, le problème c'est que ça reste quand on voit la composition déjà des bâtons, c'est pas ultra terrible parce qu'il y a beaucoup de bois, c'est ce qui permet d'ailleurs de pouvoir faire consumer le bâton. Et parfois vous pouvez avoir des parfums de synthèse, c'est vraiment pas terrible énergétiquement parlant. Donc utilisez plutôt des choses naturelles quand vous avez besoin de travailler. Les encens d'ambiance, c'est très bien par exemple pour faire des méditations, pour vous mettre dans l'ambiance avec un bol tibétain, etc. ou pour parfumer votre maison, c'est très très bien. Mais pour travailler tout l'aspect spirituel, c'est pas ultra terrible. Vraiment essayez de privilégier des choses qui soient naturelles. Là, moi, j'utilise du Palo Santo. J'adore l'odeur du Palo Santo qui est une odeur beaucoup plus douce que la sauge. Ceux qui ont déjà utilisé la sauge, vous savez de quoi je parle, hein, quand on fait une bonne fumigation de la maison à la sauge. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres, parce que je connais des personnes qui font des fumigations et qui ferment les fenêtres, enfin qui gardent les fenêtres fermées, en pensant que du coup ça va tuer toutes les énergies qu'il y a à l'intérieur. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Au contraire, quand vous faites une fumigation, vous faites votre fumigation et vous ouvrez après grandes les fenêtres. Ça va permettre au contraire de faire chasser, hein, de chasser toutes les entités qu'il y a dans la maison, de chasser les mauvaises énergies. Donc ouvrez grand au contraire et puis il faut aérer après, parce que l'odeur de la sauge, elle est vraiment tenace. Et puis il y a une arrière-odeur un peu
de vous savez, ce qu'on a tous plus ou moins fumé à 18 ans pour essayer, et qui nous fait rire après. Voilà. Là, c'est vrai que la sauge, elle a un petit peu cette odeur là. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. On va commencer par nos runes. Allez, donc comme d'habitude, je vais fermer les yeux pour ne pas tricher et voir ce que je tire. On va tourner dans un sens, dans l'autre. Allez, je ferme les yeux, je coupe le paquet et nous avons Agalaz qui nous parle d'un bouleversement douloureux ou d'une mort. Alors, je suis désolé les amis, c'est vrai que la semaine dernière on avait une rune qui était vachement plus sympa, qui était beaucoup plus lumineuse, qui nous annonçait des bonnes nouvelles. Là, on est plutôt sur un bouleversement douloureux ou une mort. Peut-être que cette semaine, vous allez... Alors bien sûr, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça fait aussi partie du processus de la vie. Peut-être que vous allez apprendre un décès auprès de vous. Peut-être que ça peut être une mort au sens métaphorique du terme. Peut-être que vous allez perdre quelque chose qui va vous permettre soit d'en finir avec une situation ou quelque chose qui était peut-être nécessaire pour pouvoir renaître ou pour pouvoir faire autre chose derrière. Hein. Parfois, la mort, elle peut avoir la symbolique d'un cycle de quelque chose qui va recommencer. C'est-à-dire, il faut mettre un terme définitif à quelque chose pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que cette semaine, eh bien, vous allez mettre un terme, je sais pas, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi. Peut-être que c'est vous aussi qui allez prendre la décision. Vous allez peut-être réaliser que telle ou telle relation, eh bien, est davantage toxique que véritablement bénéfique, que ça vous apporte plus de tracas et de soucis, que ça vous apporte vraiment quelque chose de positif. Donc, c'est peut-être vous qui serez à l'origine de cette coupure, hein, de cette fin. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein, c'est pas forcément un licenciement, ça peut être vous aussi qui allez prendre la décision d'en finir avec quelque chose parce que vous en avez marre et parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que vous voulez démarrer sur un nouveau cycle. Et parfois il faut des changements un peu brutaux pour nous pousser à faire d'autres choses. Hein, parfois, on est là, un peu à patauger, les deux pieds dans le même sabot, on se dit « Oh, j'ai bien envie d'essayer, mais j'ose pas, et puis voilà, et puis le temps passe, et puis en fin de compte, on ne le fait pas. » Et puis parfois, eh ben, la vie va nous mettre un petit coup de pied aux fesses en nous privant de quelque chose pour nous faire comprendre que « Bah regarde, t'as pas voulu prendre de décision, t'as pas voulu le faire, et eh ben c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui te l'enlève. Comme ça maintenant, eh ben, tu vas te bouger et tu vas le faire, tu vas mettre en place ce que tu avais dit, tu vas être obligé maintenant de le faire. » Vous voyez, donc ça peut être un bouleversement dans ce sens-là, ça peut être quelque chose de douloureux, de fort, mais ça peut être la vie aussi qui peut vous envoyer ce signe pour vous montrer que bah, il est temps aussi peut-être de passer à autre chose. Allez, on va voir avec notre œil dans le noir. Allez, c'est parti. Nous avons... Ah, bah, regardez, comme par hasard, on a la fiole. La fiole, justement, qui nous parle de quelque chose qui est toxique. On a le poignard. Ça pourrait nous parler d'une action, d'une traîtrise, quelque chose ou quelqu'un qui pourrait vous faire un mauvais coup. On a la tour, on a l'eau, on a le cadenas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Bon, il y a des choses... Il y a des choses un peu négatives, mais je pense que ça rejoint ce que la rune nous dit. À savoir, là pour moi, le poignard, je pense que ça peut nous parler soit d'un coup qu'on peut vous faire. Peut-être que vous allez vivre cette semaine, alors bien sûr je ne vous le souhaite pas encore une fois, hein, mais vous savez comment je suis, vous savez comment je fonctionne sans filtre, quand c'est des bonnes nouvelles, je vous les annonce, quand c'est des nouvelles moins bonnes, je vous les annonce aussi. Ça pourrait nous parler soit d'une trahison, d'une traîtrise, mais l'avantage, c'est que si ça ressort dans les cartes,
c'est que ici il y a peut-être un moyen de pouvoir le pallier ou de pouvoir anticiper l'action. C'est-à-dire qu'il est probable que vous sentiez déjà quelque chose qui va se produire, quelque chose qui va arriver, peut-être que vous le ressentez déjà. Hein, quand on arrive, je sais pas, quand vous avez une personne qui commence à changer de comportement, vous sentez, hein, des fois on peut avoir le sixième sens qui nous met en alerte, qui nous dit attention, cette personne. Hein, si vous avez cette petite voix qui vous dit méfie-toi, etc., il se peut que ce soit justifié. Donc écoutez cette petite voix. Mais ça peut être aussi une situation qui est devenue purement et simplement toxique, qui est vraiment devenue quelque chose de négatif, soit qui vous étouffe, qui vous emprisonne, qui vous empoisonne littéralement l'existence. Ça peut être un travail qui devient vraiment plus une contrainte, qui vous enferme dans une contre-productivité, qui vous rend malheureux, même peut-être que vous partez les matins la boule au ventre, etc., etc. Bon, ben, quand vous en arrivez à cet extrême, là, il faut prendre une décision. Oui, je veux bien que travailler c'est important parce qu'il faut de l'argent et ceci et cela, je suis d'accord, mais pas non plus au péril de mettre votre santé en péril, c'est le cas de le dire. Pas non plus risquer votre couple, votre vie, votre santé, etc. Non, non, non. Il y a quand même des limites et peut-être que votre corps vous envoie certains signaux, certains signes, et peut-être qu'il serait temps d'écouter ces signes, de les interpréter et de mettre un terme justement à quelque chose qui devient toxique, qui prend une ampleur assez importante. Pour moi, ici, il y a vraiment cet aspect. Alors, la mort, ça peut être aussi un avertissement. C'est-à-dire que ça peut être au sens propre comme figuré. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, vous allez peut-être y laisser la vie au sens propre du terme. Imaginons, moi je sais pas, que vous fassiez des semaines de 80 heures. Concrètement, votre corps ne pourra pas tenir très longtemps et vous allez finir en burn-out, en dépression, ou un jour vous allez péter un plomb et dans un accès de folie, vous pourriez faire un acte irréversible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou pareil, si vous êtes dans une situation avec un pervers narcissique, avec quelqu'un d'extrêmement toxique qui vous en fait voir des vertes et surtout des pas mûres, ça peut vous conduire dans des états très graves, voire à faire quelque chose de très grave aussi. Donc avant justement qu'il soit trop tard, peut-être qu'il est, c'est un avertissement ici pour vous dire eh oh, réveille-toi, ouvre les yeux là, tu vois pas ce qui est en train de se passer, donc fais quelque chose, agis, ne reste pas comme ça, regarde, on t'envoie des signes, on te fait comprendre que là, il faut que tu agisses, il faut que tu mettes un terme à ce qui est en train de se passer là, parce que tu peux y laisser ta peau, très clairement. Et ça peut être aussi au sens métaphorique, c'est-à-dire que si je vous parle de dépression, de burn-out, etc., ce n'est pas mourir au sens propre, mais je vous garantis, pour avoir connu un burn-out une fois dans ma vie, on a l'impression de mourir quelque part, hein, parce que j'étais dans un état d'épuisement très avancé, mon corps qui ne réagissait plus du tout. C'est même la dépression, hein, la dépression aussi, c'est pas très drôle à vivre, hein, c'est même pas du tout drôle en fait. Hein. Donc ici, on a vraiment, pour moi, je pense, plus un avertissement que véritablement une action, parce qu'on n'a pas de figure, on n'a pas de personnage qui sort, hein. On n'a pas ni femme ni homme, on n'a pas de personnage, donc pour moi, je pense que c'est pas une trahison de quelqu'un, mais c'est plutôt une situation, c'est plutôt quelque chose que vous êtes en train de vivre qui devient vraiment toxique, et il faut mettre un terme à cette toxicité. C'est d'ailleurs ce que la tour ici nous enseigne, hein. La tour ici, il y a un aspect d'isolement, de confinement. Alors oui, je sais, c'est un mot que vous ne supportez plus, moi le premier, c'est vrai que dès qu'on dit le mot confinement, j'ai des boutons qui poussent de partout sur le corps. Mais là, on nous parle de confiner, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que éventuellement, peut-être qu'en ce moment, vous en avez trop dans la tête, et pour que vous compreniez, il faut peut-être isoler le problème. Il faut confiner, il faut savoir isoler. Quand il y a trop de choses dans la vie, quand on a trop dans la tête, quand on a trop à gérer, on veut essayer de tout gérer en même temps pour pouvoir s'en débarrasser. Mais non, c'est comme ça justement qu'on finit par couler dans tout ce qu'on a à faire. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est ce qui m'est arrivé depuis le mois de janvier. J'ai voulu tout faire en même temps et au final, je me suis laissé déborder partout et j'ai pris un retard phénoménal. Donc non, il faut savoir isoler, il faut savoir confiner les choses et traiter par ordre de priorité.
Donc là justement, on vous invite à isoler, alors ça peut être vous, peut-être vous isoler, peut-être prendre du recul, peut-être faire un break, peut-être marquer une pause. Alors quand je dis faire un break, je parle pas faire un break amoureux, mais ça peut être faire un break par rapport à tout. Prendre un congé sabbatique, faire un point sur votre vie à l'heure actuelle, ça peut vraiment être une sorte aussi de remise en question, ça peut être plein de choses, hein. Un break c'est pas forcément tout de suite on voit l'image du couple, on fait un break, machin, non, il n'y a pas que dans les couples qu'on fait des breaks. Parfois dans la vie il faut aussi savoir faire un break dans le sens où quand on sait plus, quand on n'y arrive plus, quand on sait plus gérer, et ben stop, on dit stop pendant un moment, on remet un petit peu d'ordre dans sa vie et quand ça va mieux, là on reprend les choses. Donc ici on nous parle d'une forme d'isolement, d'une forme de confinement. On a effectivement en plus la carte de l'eau qui très clairement pour moi ici est reliée aux émotions, hein, donc je pense que cette semaine vous pourriez avoir peut-être les nerfs à vif ou être, j'avais le mot sous-polaire en tête mais... Je sais pas pourquoi j'ai ce mot, parce que ça colle pas tellement. Alors, si oui et non, parce que c'est vrai que quand on est sous-polaire, c'est-à-dire qu'on est un peu susceptible, on est un petit peu... le matin, on vous dit bonjour, quoi, pourquoi ? Pourquoi il serait bon le jour ? Vous voyez, voilà, c'est ça, être un petit peu sous-polaire. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai ce mot, peut-être que ça parlera à certains, mais moi je voyais plutôt des émotions, peut-être plus de l'hypersensibilité. Il est possible que si vous êtes dans un état soit de fatigue assez avancé, ou alors que vous êtes dans cette situation un peu dévorante en termes d'énergie, que vous soyez hypersensible. C'est-à-dire que dès qu'on va vous dire quelque chose, soit vous allez fondre en larmes, soit, vous voyez, il y a cette espèce d'hypersensibilité qui pourrait se développer cette semaine. Donc si ça vous arrive, c'est peut-être normal, c'est certainement une conséquence de ce que vous vivez et parfois aussi il faut savoir que les pleurs ça peut être bénéfique, hein. Parfois ça fait du bien de déverser, alors ça n'arrange pas la situation, je suis bien d'accord avec vous, mais le fait de pleurer, de crier, de vraiment déverser tout ce qu'on a sur le cœur, et ben après on se sent mieux, enfin on se sent mieux sur... quand on a bien pleuré on se sent mieux, déjà on se sent fatigué, donc en principe on dort assez bien. Ça n'a pas résolu la situation mais on se sent déjà un petit peu mieux. Donc peut-être aussi que ça pourrait être un conseil pour vous dire de laisser parler vos émotions et vos sentiments cette semaine, de ne pas les réfréner, de ne pas, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait mis un barrage sur votre fleuve et vous contenez les flots, hein, vous contenez tout le flux. Et c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, il faudrait peut-être au contraire lâcher les vannes, rendre l'état naturel de votre fleuve d'émotions et laisser parler les choses quand elles doivent se produire, hein. Si quand c'est plein, c'est plein, quand le fleuve il doit déborder de son lit, eh ben il faut le laisser faire, hein, et puis il reviendra tout seul. Mais voilà, cette semaine il est possible qu'il va falloir lâcher un petit peu les vannes et laisser parler vos émotions, ne pas les réfréner, puisque justement le cadenas c'est vraiment moi ce que ça me fait penser. Peut-être que vous êtes trop sur la réserve. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont trop diplomates ou qui sont trop dans l'altruisme à tel point que vous en devenez bête dans le sens où vous avez tellement peur de dire non, vous avez tellement peur de faire de la peine, vous avez tellement peur de vous affirmer que du coup vous gardez tout, vous bloquez tout et vous, ça vous crée en fait des problèmes. Et c'est bête parce que si ça ne vous plaît pas, dites-le non, là ça ne me plaît pas. Non, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Non, je ne veux pas qu'on me traite comme ça. Non, je ne veux pas de cette situation. Non, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça, etc., etc. Donc vraiment, ne soyez pas dans cet aspect de blocage. Si vous vous sentez également bloqué, eh bien, essayez de regarder potentiellement s'il y a des solutions autour de vous pour soit faire débloquer la situation ou la débloquer. Mais vraiment, ne restez pas dans ces blocages-là, d'accord ? Allez, on va regarder maintenant notre analyse avec le carré fantabuleux. Alors nous avons la corne d'abondance, c'est quand même très positif, on a la création ici, on a la fleur qui nous parle de romance, de douceur, d'amitié, de compassion, on a le ballon qui pourrait nous parler de déménager ou d'emménager, fait exprès avec la signature, donc ça pourrait nous parler peut-être de nouveaux contrats, d'une nouvelle maison, d'un nouveau bail, et en plus ça va un petit peu avec ce que je viens de vous dire, puisque on est sur la fin de quelque chose, le fait de abandonner quelque chose, le fait de mourir au sens métaphorique, et ça vous permettra de pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Là pour le coup je vous résume en un seul message parce que c'est vraiment ce que les cartes sortent. On a le téléphone ici qui pourrait nous parler d'une nouvelle
Attendez, comment j'ai mis ma carte? Là. On pourrait... Ah, ça... On pourrait nous parler d'une invitation aussi. Ça pourrait nous parler d'une invitation. Ah, on nous parle quand même de protection, c'est bien. Bon, ici on a quand même un joli tirage. Donc vous voyez, quand je vous parlais ici d'avertissement, c'est vrai que je pense qu'on est vraiment sur un aspect d'avertissement ici pour vous faire prendre conscience d'une situation, pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui doit impérativement se terminer si vous voulez que les choses puissent avancer, que les choses puissent prendre une direction. Vous voyez, en plus on a la flèche ici qui pointe le cadenas, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont prêtes à être faite, à être engagée, à être signée, mais il est possible que tant qu'il y ait ça là, cette espèce de cette chaîne qui vous retient, tant qu'il y a ça, j'ai l'impression que vous n'aurez peut-être pas encore accès à ça, voyez, parce que là pour moi ça me parle vraiment ici d'une forme d'abondance. Soit dans un terme général, soit dans un domaine précis, puisque j'ai le sentiment ici d'une signature, d'un papier. Un papier qui est quand même assez important, qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Donc soit c'est un nouveau bail, soit c'est un nouveau contrat, soit c'est par exemple la procédure de divorce, soit c'est un papier, je sais pas, de notaire, d'avocat, je sais pas quoi, moi un compromis, genre. Mais vraiment ici c'est un papier qui pour moi est important. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir enfin aller de l'avant et qui pourrait justement vous débarrasser de la situation dans laquelle vous êtes englué. Donc peut-être qu'il y a des démarches à faire ou peut-être qu'il y a quelque chose à faire, à mettre en place, peut-être sous forme administrative. C'est possible. Il se peut qu'il y ait un lien avec l'administration. Mais il y a peut-être ici une démarche à faire. Et il y a l'aspect de création. Comme si c'était à vous d'être créatif. Essayez. Pour trouver la solution, je pense que ça va être à vous quand même de essayer de chercher des pistes ou de mettre en place des choses, des nouvelles choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé pour pouvoir débloquer un petit peu la situation. Voyez ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Imaginons que niveau travail, ce soit un petit peu bloqué. Je sais pas, moi, vous cherchez, vous êtes qualifié en tant que j'en sais rien, moi, coiffeuse, voilà, coiffeur, coiffeuse. Et là, depuis quelque temps, le secteur est complètement bouché, vous ne trouvez absolument rien. Eh bien, essayez potentiellement d'autres solutions pour débloquer la situation de façon professionnelle. Essayez de voir une autre branche parallèle qui serait quand même en correspondance avec vos qualifications et dans laquelle vous seriez à l'aise pour travailler. Mais comme c'est quelque chose qui est un peu plus à la mode, et bah, du coup, vous pourriez trouver du travail plus facilement. Ou alors peut-être développer votre propre entreprise, faire du domicile. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Essayez de trouver d'autres solutions alternatives pour débloquer la situation. Parce qu'ici, il y a vraiment un aspect, toute cette colonne, on a un aspect ici d'aller de l'avant, vraiment. Il faut avancer, il faut plus rester les deux pieds dans le même sabot. Entre le ballon ici qui est poussé par l'air, la flèche ici qui prend son envol, le pentacle qui va quand même dans plusieurs directions, donc pour nous pointer vraiment ici qu'il y a des possibilités, qu'il y a des directions, il y a des choix à prendre, mais aussi que ça dépend de vous, de votre engagement et de votre volonté à vouloir vous dépêtrer un petit peu de la toile dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, hein, vous êtes un petit peu englué en ce moment. Mais pour moi, il y a vraiment ce sentiment-là. Y a quelque chose, il y a quelque chose, clairement, il y a quelque chose qui est pour vous. La situation n'est pas bloquée au sens propre, mais je pense que c'est à vous d'abord de vous débarrasser de quelque chose qui vous vraiment vous retient et vous freine. Et ensuite, lorsque vous serez débarrassé de ça, vous pourrez de nouveau avancer vers de nouvelles perspectives et objectifs. Voilà donc pour notre tirage. Allez, maintenant, on passe à toute la partie breloque. Donc la partie breloque, on va commencer avec notre rond de cristal. On va s'en prendre 3. Et la première prédiction, nous avons un gain d'argent. Ah bah voyez, c'est positif ici, on nous parle de toucher un petit peu d'argent cette semaine. Alors on a un gain d'argent et on a une perte à côté. Mais la perte, elle est logique. Pour moi, la perte, elle n'est peut-être pas forcément liée avec l'argent. La perte, à mon avis, ici, c'est en rapport avec notre rune Agalaz qui nous parle d'un bouleversement douloureux. Pardon.
d'un bouleversement douloureux ou d'une mort. Donc la mort, c'est forcément le fait de perdre quelque chose. Donc là, ça pourrait vraiment correspondre avec soit le fait d'apprendre un décès dans vos proches. Alors je suis désolé de vous apprendre ça, mais ça peut vous permettre potentiellement de vous préparer déjà psychologiquement, hein, si le message doit être passé, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Donc soit on nous parle vraiment d'une perte physique, d'une perte humaine, soit ça peut vraiment être une situation, une relation qui peut se terminer aussi. Donc là encore, c'est pour vous préparer un petit peu. Soit ici on nous parle d'une perte par rapport à la situation dont je vous parlais, quelque chose peut-être qui vous étouffe et que vous avez envie de terminer. Et enfin, nous avons le grand amour, les amis. Eh ben, franchement, on a quand même des choses qui sont ultra positives, j'ai envie de vous dire. Voyez, on a une fois encore cette idée de quelque chose qui vous retient d'un poids, en fait, une espèce de poids mort. Un poids mort qui vous empêche d'avancer. Et tant que vous conservez ce poids mort, vous ne pourrez pas avoir accès à autre chose. Comme si, je sais pas moi, vous n'aviez toujours pas fait le deuil d'une relation passée, vous êtes toujours à fond sur cette personne-là, vous espérez même qu'elle puisse revenir, vous avez invoqué Pierre, Paul, Jacques pour faire en sorte qu'il ou elle revienne. Bref, non, il est temps de tourner la page, il est temps de faire le deuil une bonne fois pour toutes, parce que il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui est fait pour vous cette fois-ci, qui restera dans votre vie et avec qui vous pourriez vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut impérativement que vous vous délestiez, que vous acceptiez le sort tel qu'il est, que vous acceptiez les choses telles qu'elles sont, si vous voulez pouvoir avoir accès à de nouvelles choses. Allez, on va continuer avec nos runes sorcières. Alors, tout de suite la flèche, tout de suite la flèche. Vous voyez, on a à nouveau cette direction. Et c'est drôle quand même de voir que ici, la rune de la flèche pointe dans la même direction que la carte. C'est quand même assez drôle. Donc ici, ça veut vraiment nous dire que vous avez un choix à prendre, mais surtout, c'est une direction. Tenez-vous sur le cap que vous vous imposez. C'est-à-dire, imaginons. Je sais pas, moi je prends un autre exemple. Vous dites je veux arrêter de fumer. Voilà. Ok, et ben ça c'est votre cap, c'est votre direction, et vous allez maintenir votre cap. Vous avez pris votre décision et vous ne revenez pas sur votre décision et vous continuez à avancer toujours tout droit. Peu importe, vous ne tournez pas à gauche, vous ne tournez pas à droite, vous ne faites plus machine arrière. C'est vous avancez, avancez, avancez. Et ben là, j'ai vraiment cette idée-là d'avancer et de maintenir votre cap impérativement. On pourrait nous parler plus tard aussi d'une rencontre avec une femme là. Il se peut que vous ayez soit l'aide d'une femme, ou une femme qui pourrait vous venir en aide, ou qui pourrait vous apporter une certaine forme de solution, qui pourrait venir un petit peu éclairer votre ciel si jamais vous êtes perdu. Ça pourrait être une femme qui pourrait être de bons conseils, ou qui pourrait vous aider. Alors je sais pas pourquoi, je pense à une assistante sociale là tout de suite. Une assistante sociale ou peut-être une femme d'expérience qui pourrait vous aider, qui pourrait vous conseiller sur quelque chose sur lequel peut-être vous êtes perdu. Peut-être que vous avez besoin de réponses et cette femme pourrait vous apporter certaines réponses. Ici, on retrouve la rune de l'abondance. C'est quand même assez drôle parce que là aussi, on avait la carte de la corne d'abondance, hein, donc qui nous parlait à nouveau d'une abondance. Pour moi, l'abondance ici, il y a le lien avec le petit gain d'argent qu'on a eu tout à l'heure. Hein. On a eu le rond de cristal qui nous a annoncé un gain d'argent. On a eu la carte tout à l'heure avec l'abondance et on a ici la rune d'abondance. Donc, on a quand même trois messages ici pour nous faire comprendre que il va y avoir une petite rentrée d'argent ou il y a quelque chose qui est en train de se préparer en lien avec le matériel, avec l'aspect financier. Ou peut-être qu'il y a une somme d'argent qui vous revient ou peut-être que vous allez percevoir une somme d'argent qui n'était pas prévue ou peut-être que vous allez gagner, je sais pas, pour une fois, vous allez jouer un petit jeu à gratter, bah tiens, vous allez gagner un petit quelque chose. Mais ici, ça pourrait nous parler d'une somme, de quelque chose, des pépettes, des flouzes qui pourraient rentrer cette semaine. Ensuite, pour moi aussi, ici, il y a l'union. Alors, c'est drôle parce qu'on avait le grand amour là qui est sorti. Et je vous parlais tout à l'heure, possiblement aussi d'un rendez-vous. On avait le téléphone, souvenez-vous, on avait le téléphone. On avait la fleur qui nous parlait de la romance et on avait la flèche. Et ça m'a fait tout de suite penser à une invitation. Peut-être que cette semaine, vous allez recevoir une invitation de la part de quelqu'un qui peut-être a certains sentiments pour vous. Alors, c'est pas forcément des sentiments amoureux, ça peut être des sentiments amicaux. Mais
vous pourriez recevoir l'invitation de quelqu'un. Mais quand même, il y a un petit aspect amoureux parce qu'ici, il y a une forme d'union. Alors soit, pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être raviver une certaine flamme. Et en plus, c'est drôle parce que c'était le sujet de la semaine dernière, justement, de la guidance, et que je vous disais de raviver la flamme. Donc peut-être que cette semaine, vous allez pouvoir raviver cette flamme et pouvoir vous réunir comme vous l'étiez auparavant. Et pour ceux qui seraient célibataires, ça pourrait nous parler d'une rencontre potentielle cette semaine. Donc soyez un petit peu attentifs à ce qui pourrait se faire, aux personnes que vous pourriez rencontrer. Parce que peut-être qu'il y en aurait une avec qui, il y aurait peut-être quelque chose à tenter. Mais n'attendez pas non plus, n'ayez pas peur d'être à l'initiative, hein. Soyez un petit peu entreprenant parce qu'on est tous un peu pareil. On attend toujours que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Mais si l'autre aussi attend que nous-mêmes nous fassions le premier pas, parce que lui ou elle, ce qu'il vit, eh ben c'est ce que nous vivons aussi. Mais du coup, si chacun attend que ce soit l'autre qui le fasse, eh ben on fera jamais rien. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter d'attendre et il faut être aussi un petit peu entreprenant, il faut aussi un petit peu provoquer les choses, ou au moins envoyer des signes pour montrer qu'on est disponible, qu'on est là, qu'on est intéressé, qu'on attend bêtement, hein, voilà. Et ici, je sais pas pourquoi, ça me fait penser aussi soit à une révélation ou une réponse. Non, plutôt une réponse que vous attendiez. Et ça pourrait, du coup, ça pourrait coller avec la signature dont je vous parlais. Cette réponse que vous attendiez et qui pourrait vous permettre enfin de pouvoir avancer. Ici, ouais, la lune me fait vraiment penser au cycle, au fait d'attendre depuis un moment. C'est l'éveilleur que vous attendez, c'est ça. Non, blague à part. Blague à part, ça pourrait vraiment être ici quelque chose que vous attendez depuis un moment et qui va enfin arriver, qui va enfin se présenter à vous. Voilà donc pour nos runes. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait d'abord la réponse avec les pièces de fortune ou la baguette chinoise? Je sais pas, on va peut-être se garder la baguette chinoise en dernier. Allez. Je vous invite à poser une question dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez, une question si possible fermée qui nécessite une réponse par oui ou par non. Je vous laisse quelques instants, vous pouvez aussi mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de bien formuler votre question. Et on y va. On a un oui. On a un non. Et on a un non. Donc on a deux non pour un oui. Donc ça serait plutôt défavorable. Ça serait plutôt non. Ça serait plutôt négatif. Mais attention, c'est pas un non ferme et définitif. Donc ce qui veut dire que ici serait plutôt une forme de conseil. Ce serait plutôt non. D'accord? Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Soit ce n'est pas le bon moment. Soit il faut que vous attendiez un petit peu. Soit il faut que vous reformuliez le truc. Soit il manque quelque chose. Soit le moment, si vous le faites là tout de suite, ce serait plutôt défavorable et il serait préférable d'attendre un petit peu. Bref, vous avez compris, c'est plutôt défavorable. Et enfin, notre baguette chinoise. Alors, nous avons une gagnante avec le numéro 58. On est presque à la fin là. Alors, 58 nous dit, c'est une divination très prometteuse, mais pour finir, votre sort dépendra de votre propre capacité à prendre des décisions et des initiatives. Efforcez-vous d'être ferme et assuré afin de surmonter vos difficultés. Même si vous avez actuellement des problèmes de santé, ils n'auront sans doute pas de conséquences sérieuses. La période actuelle est très favorable pour former des relations personnelles étroites. Non, mais alors écoutez les amis, je suis sûr que là, vous êtes en train de vous dire, non mais Jojo, tu l'avais déjà vu la baguette. T'avais prévu de prendre celle-ci. Parce que là, pour le coup, la baguette vient de résumer absolument tout ce que je viens de vous dire sur l'ensemble des tirages, quand même. Moi, ces baguettes, à chaque fois, elles me font rêver, je vous jure, parce que la synthèse correspond à chaque fois à ce que je vous dis. C'est quand même très très drôle. Donc, on va pas épiloguer, vous l'aurez compris, hein, la baguette nous synthétise parfaitement ce qu'on vient de dire. Allez, maintenant les amis, on se retrouve pour notre guidance amoureuse.
Comme d'habitude, honneur aux célibataires. Oui, je sais, vous dites c'est dégueulasse, Jo, tu commences toujours par les célibataires. Oui, mais bon, c'est vrai que quand on est seul, c'est pas toujours très drôle. Alors je sais, quand on est en couple, c'est pas forcément très drôle non plus, surtout si on est malheureux dans son couple, je suis bien d'accord. Mais c'est comme ça, c'est ma chaîne, c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Voilà. Donc on y va, on va reprendre donc la formule de la semaine dernière. Alors il me semble que pour vous, mes amis célibataires, je vous avais dit de travailler sur une peur. Je sais plus ce que c'était, on nous disait, je crois que c'était de quoi... ça nous disait de quoi avez-vous peur. Et je vous avais demandé de travailler cette semaine sur cette question de quoi avez-vous peur. Pourquoi êtes-vous célibataire? Et c'était vraiment de faire un vrai travail d'introspection sur cette problématique-là pour éventuellement trouver les problèmes, les mots, hein, et voir après des solutions possibles. Donc on va regarder sur cette semaine si il y a d'autres choses à travailler, il y aura peut-être d'autres choses à travailler, ou peut-être au contraire qu'on va être dans des énergies qui sont peut-être dans la récompense. Alors, nous avons la carte de se libérer. Ne passez pas votre vie à faire attention, mais faites attention à la vie. Et la deuxième, oula, sentir le danger, le mal se tient devant vous, il est déjà trop tard. Bon, en plus avec Annabelle, tout va bien, tout va bien. Bon, alors, c'est des cartes qui peuvent un petit peu faire peur. Regardez, je vous approchais donc la première qui nous dit se libérer. Et enfin, la deuxième qui nous dit « sentir le mal ». Le mal, M-A-L, hein, pas M-A-L. Donc ici, de quoi ça nous parle? Tout d'abord, se libérer. Il est probable que il faut que vous libériez de certaines choses. Et c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure dans le tirage d'un deuil à faire, de quelque chose, peut-être qu'il y a une relation passée qu'il faut impérativement accepter qu'elle soit terminée. Ne vivez pas dans l'espoir du retour de cette personne parce que vous allez vous risquer, c'est ça, hein, de passer votre vie en fait à attendre cette personne, alors que ça se trouve cette personne vous a oublié, que pour elle, elle a tourné la page, elle a peut-être même refait sa vie, vous avez simplement du mal à l'accepter. Alors je suis désolé, ça va peut-être pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire, mais il faut savoir voir la vérité en face, peut-être que cette personne ne vous aime plus, tout simplement, acceptez-le. Elle a peut-être refait sa vie avec quelqu'un avec qui elle est bien, avec qui elle a des sentiments, avec qui elle, peut-être qu'ils vont fonder une famille, il faut que vous acceptiez ça. Donc ça sert à rien, après ma vidéo, d'aller vite voir des collègues avec des titres incolores du genre « est-ce qu'il va revenir ?» etc. etc. Dans les... Non, acceptez les amis, c'est le jeu de la vie. Hein. Oui, je comprends bien, des fois quand on est amoureux de quelqu'un et qu'avec cette personne ça se termine, on a du mal à passer à autre chose parce qu'on a cette personne dans la peau. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est réciproque? Et justement, est-ce que vous n'allez pas vous-même vous enfermer dans un mal, un mal-être profond qui pourrait même vous priver et vous punir d'autres rencontres, d'autres relations? Alors peut-être oui, vous me diriez mais Jojo, moi c'est cette personne que je veux, c'est pas une autre. Oui, mais comme je viens de vous le dire, peut-être que cette personne ne veut plus de vous, donc il faut l'accepter, même si c'est dur à entendre, il faut l'accepter. Il faut considérer que les choses sont telles quelles et que à l'heure actuelle, vous n'êtes plus avec cette personne. Si vous êtes fait pour revenir, pour vous remettre avec cette personne, si votre amour est sincère, vous retrouverez dans la vie. Vous vous retrouverez toujours. Mais ne passez pas toute votre vie à attendre le retour de cette personne. Non, continuez à avancer. Faites d'autres rencontres. Vous pouvez rencontrer des personnes avec qui vous vivrez des choses extraordinaires. Ce sera peut-être pas le grand amour, mais vous vivrez des choses extraordinaires. Des personnes qui pourront vous aider, qui pourront cicatriser vos blessures, qui pourront vous faire reprendre confiance en vous, en l'amour, etc., etc. Et puis, bah, si un jour vous devez retrouver votre ancien amant, votre ancien amour de jeunesse, eh ben, ça sera le cas. Mais si ça ne se fait pas, au moins, vous aurez profité de votre vie. Mais là, je pense que le mal, en fait, il provient de vous. Sentez le danger qui arrive, ne vous enfermez pas.
dans des chimères à vouloir à tout prix attendre le retour de Pierre, de Paul ou de Jacques. Et pour ceux qui ne seraient pas du tout dans cette dynamique d'attendre le retour, peut-être que le mal, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire peut-être que vous êtes confiné vous-même dans une sorte d'habitude de vieille fille ou de vieux garçon, et que du coup vous ne vous voyez plus partager votre vie avec quelqu'un d'autre, ou alors vous avez peut-être accumulé avec les années de célibat certains clichés, certaines idées, etc. et vous ne voulez plus vous enfermer là-dedans. Mais en fait, c'est une relation de cause à effet, parce que vous vous enfermez vous-même en fait dans une propre cage, et que vous auto-alimentez par, par tout ce que vous pensez. Donc pareil, on est encore sur quelque chose qui peut être toxique, qui peut rapidement devenir même très toxique. Donc surtout, ne vous enfermez pas là-dedans, mais au contraire, restez plutôt très ouvert et dites-vous que oui, ça fait 10 ans que vous êtes célibataire, aujourd'hui vous avez vos habitudes, mais si demain la vie vous proposait de rencontrer quelqu'un avec qui, ne vous fermez pas à cette opportunité. Ne vous dites pas, non, moi je pars devenir sa boniche, repasser ses chemises, faire la bouffe, machin et tout. Non, ne réfléchissez pas comme ça, parce que franchement, c'est mal parti, hein. Non, au contraire, restez dans l'objectif que peut-être un jour vous allez rencontrer quelqu'un qui sera comme vous, et puis vous allez partager des choses, des passions communes, des petits plaisirs, des activités, etc., etc., et sans vous retrouver l'esclave de l'autre, etc., et vous allez vivre, et vous allez voir que peut-être vous allez vivre 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et puis finalement vous finirez votre vie avec, sans forcément vous prendre la tête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ne vous fermez pas, ne vous enfermez pas à des possibilités, et surtout à la vie qui est autour de vous, hein. Parfois on peut se cacher, se réfugier dans une sorte de cage dorée, de quelque chose qui nous réconforte, mais parfois et on est bien placé pour le savoir, parfois il y a des confinements qui s'avèrent être beaucoup plus nocifs et toxiques que le fait de s'ouvrir à la vie, et au contraire de sortir, hein, à l'extérieur. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous confinez pas, mais au contraire restez ouvert à la vie pour éviter justement un danger qui peut être évitable. On va voir ce que le veilleur nous dit, mais je voudrais rire que le veilleur, il a un message similaire, ce serait quand même assez drôle. Allez, notre veilleur, qu'est-ce qu'il nous dit, notre veilleur ? Notre veilleur nous dit, sois créatif, tes seules limites sont celles que tu t'imposes. Et c'est drôle les amis, parce que qu'est-ce qu'on a eu comme carte tout à l'heure sur le carré fantabuleux ? On a eu justement la carte de la création, et je vous parlais d'être créatif et d'avoir recours justement à d'autres idées, à de nouvelles choses. Et bien pour vous mes amis célibataires, c'est le message qu'on vous dit d'être créatif, c'est-à-dire que si vous voulez provoquer des rencontres, si vous voulez vous ouvrir au monde, soyez créatif, laissez parler justement vos envies, ce que vous voudriez faire, ce que vous voudriez mettre en place. Ne soyez pas dans l'objectif de je vais m'inscrire dans une salle de sport dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Non, là ça c'est le mauvais cheminement. Partez plutôt en vous disant, je vais m'inscrire dans une salle de sport pour me faire du bien, pour me refaire une santé, pour me refaire un petit physique, etc. Parce que c'est vrai que j'ai un petit peu abusé de la raclette, voilà. Du coup, je me sens plus très bien dans mon corps, etc. Mais je vais m'inscrire dans une salle de sport pour me faire du bien à moi. Et si vous rencontrez quelqu'un à la salle de sport, c'est tout bénef. Mais ne faites pas le chemin inverse en vous disant, je vais faire telle activité dans l'espoir que je rencontre quelqu'un. Non, c'est vous faites cette activité parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous fait du bien. Et puis, s'il y a une personne qui est là à ce moment-là, c'est que ça devait se faire, et puis ça sera que du bonus. Allez, on passe maintenant pour nos amis les couples. Allez nos amis les couples, on nous dit réagir promptement. Allez-vous attendre que tout s'effondre pour agir ? Et la deuxième nous dit anticiper le hasard. Les coïncidences n'existent pas, prévoyez l'imprévisible. Et là, les amis, j'ai un message en fait qui est tout prêt, qui est tout fait, parce que c'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes.
C'est-à-dire, ne vous reposez pas sur vos acquis. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est jamais quelque chose d'acquis. En plus, souvenez-vous que la semaine dernière, je vous parlais justement de raviver la flamme, hein, d'être à l'initiative des choses, etc., de ne pas, je crois que je vous en parlais déjà plus ou moins, de ne pas rester sur les acquis, de faire attention que le quotidien ne devienne pas une routine et de se laisser bouffer par la routine, etc., etc. Et ben, c'est drôle parce que on est encore sur cette idée-là, c'est-à-dire, les amis, posez-vous la question et soyez honnête, s'il vous plaît. Là, on est entre nous, hein, et encore, moi, je vous entends même pas. Mais on est entre nous, soyez honnête. Est-ce que vous avez vraiment mis des choses en place? Est-ce que vous avez vraiment travaillé? Et, déjà, le sujet que je vous avais dit la semaine dernière, est-ce que vous l'avez vraiment bien bossé? Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé aussi, à savoir, et ben, de mettre en place des petites choses, des petites surprises, de raviver la flamme, etc., etc. Est-ce que vous l'avez vraiment fait? Sincèrement, posez-vous la question. Eh bien, là, c'est dans la continuité, à savoir que si vous continuez, si vous laissez la routine s'installer, eh bien, tôt ou tard, il faudra peut-être pas s'étonner, il faudra peut-être pas venir pleurer le jour où, ben, votre mari ou votre femme va demander le divorce ou se séparer ou vous tromper ou des choses comme ça. Alors attention, je dis pas que ça sera bien fait pour vous, c'est pas ce que j'ai dit. Mais voyez ce que je veux dire, c'est que quand la routine vous aura bien bouffé tous les deux, que vous serez bien perdus, que votre amour, eh ben, au bout d'un moment, l'amour, il va finir par s'essouffler, hein, si on laisse les choses telles quelles. Donc voyez ce que je veux dire. Donc au lieu de laisser faire les choses, prévoyez l'imprévisible. On ne sait jamais comment une relation peut évoluer dans le temps. Vous savez, hein, l'être humain, c'est un être qui est très complexe, et c'est vrai que lorsqu'on est malheureux en amour et qu'on sent qu'on a perdu l'amour de l'autre, etc., et ben, ça peut parfois conduire à faire des bêtises, et puis l'amour peut s'épuiser, et voilà. Donc surtout, ne laissez pas évoluer les choses dans le mauvais sens du terme. En plus, c'est drôle parce qu'on a quand même une évolution. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait ravivé la flamme, mais c'était sous la forme d'une bougie. Là, la flamme quand même est devenue un sacré brasier. Donc attention aussi, quand on joue avec le feu, raviver la flamme c'est bien, mais un feu ça se dose, la passion ça se dose. Il faut pas non plus trop en faire, il faut juste faire ce qu'il faut et alimenter au quotidien. Hein. Vous prenez par exemple un feu, tout ce qui est le plus classique, on va pas mettre 15 bûches dans le feu. Non, on met une bûche pour entretenir le feu, et puis dès que la bûche s'est consumée, on en met une autre, etc., etc. L'amour, c'est le même principe. Ça sert à rien de mettre toute une forêt pour compenser les 15 ans qui viennent de s'écouler. Non, vous allez tout brûler au contraire. Donc non, il faut le faire de façon progressive. Donc pour vous, mes amis couples, le conseil de cette semaine, c'est vraiment essayer d'anticiper ce qui pourrait se prévoir. Attention, on parle au conditionnel, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Mais soyez vraiment attentifs aux attentes de votre partenaire. Essayez d'être pareil, d'être créatif aussi pour raviver la flamme, et essayez justement d'anticiper et de ne pas laisser les choses telles qu'elles sont, de ne pas laisser consumer tout ce qui est en train de se produire. Si vous êtes en ce moment dans une sorte de routine, eh bien ne laissez pas cette routine s'incruster au fin fond de votre couple, mais vraiment, hein, parce que là pour le coup vous allez faire couple à trois, hein, y aura vous et la routine, et croyez-moi, la routine c'est pas un partenaire qui est sympathique. Donc ne vous laissez pas consumer par un mal qui peut-être évolue au sein de votre couple. Si par exemple il y a la discussion qui est rompue, c'est très important aussi, le dialogue dans un couple. Donc si le dialogue est rompu, essayez de le rétablir. S'il y a quelque chose qui est rompu dans votre couple, essayez de le rétablir. Ne laissez pas les choses telles qu'elles sont. Ne laissez pas évoluer les choses. Au contraire, essayez de les endiguer et de renverser la vapeur. Allez, maintenant on va voir notre message du veilleur. Alors, notre veilleur, qu'est-ce qu'il nous dit notre veilleur? Venge-toi, on t'a fait mal, fais justice, rends-le. Alors, c'est un peu extrême comme méthode. Mais le venge-toi ici, c'est plutôt dans le sens. Alors attention, il y en a qui vont peut-être interpréter le message de certaines façons. N'interprétez pas le message. Je vais essayer de vous le livrer simplement.
La vengeance, en fait, c'est quelque chose qui est propre et qui est naturel à l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'on est blessé de quelque chose, on va réagir. C'est viscéral, c'est incontrôlable. C'est alors parfois il y a des vengeances qu'on peut réaliser, il y en a d'autres qu'on ne peut pas réaliser parce qu'en fait on voudrait tuer la personne, donc c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, dans l'extrême c'est possible, mais il y a à peu près une chance sur une pour que vous finissiez en prison en fait. Donc tout est possible dans l'extrême. Mais voilà, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire. Enfin, quand on a du bon sens en tout cas. Mais voilà, la vengeance, c'est en fait ici un sentiment qui est brut. Et pour moi, le message qui ressort ici, c'est ça, c'est-à-dire laissez parler vos sentiments bruts. Ne soyez pas dans... Surtout quand on est en couple, quand on est en couple, s'il y a bien un partenaire, s'il y a bien une personne avec qui on peut partager les choses sans filtre, sans rien du tout, c'est bien avec notre partenaire de vie, de pouvoir se montrer tel que nous sommes, de pouvoir être qui nous sommes et de pouvoir exprimer ce que nous ressentons vraiment sans faire attention à notre langage, sans faire attention à... Non, et c'est vraiment la personne avec qui on peut être complètement. Cette personne et nos parents, hein. Pour moi, c'est vraiment les personnes avec qui on peut être complètement qui on a envie, enfin qui on a envie, qui on est réellement, pas qui on a envie d'être, enfin si. Aussi, mais bref, je vais pas épiloguer. Mais voilà, vous aurez compris donc le principe. Soyez en fait vrai, c'est-à-dire que ce qui, pour moi, le venge-toi, il peut être aussi positif dans le sens où tout ce que l'autre vous a donné, eh bien, essayez de lui donner de la même façon. Si il vous a, je sais pas moi, si votre partenaire est irréprochable et qu'au contraire il vous a toujours soutenu, il vous a toujours tout apporté, etc. Est-ce que vous, de votre côté, en toute âme et conscience, hein, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez affirmer la même chose? Est-ce que vous avez aussi tout donné pour lui? Est-ce que vous avez tout mis en place pour lui? Est-ce que vous pouvez vraiment l'affirmer, ça? Hein? Eh bien, ce venge-toi, ça serait sur ce principe-là, c'est-à-dire tout ce que l'autre vous a fait, que ce soit en bien ou en mal, rendez-lui. Alors oui, je sais, là, vous êtes en train de vous dire, attends, je joue, mon mari m'a trompé, t'es en train de me dire qu'il faut que je le trompe aussi pour me venger. Alors non, c'est pas ça, je suis pas du tout en train de vous dire ça. Enfin là aussi, dans l'extrême, vous pourriez le faire. Mais non, c'est pas ce que je vous conseille, au contraire. C'est d'être dans la vengeance, mais la vengeance... Pour moi, il y a deux types de vengeance. Il y a la vengeance facile, c'est-à-dire que on va rendre à la personne ce qu'elle nous a fait. Et puis il y a l'autre forme de vengeance qui va consister en fait à lui rendre, mais dans une forme différente, c'est-à-dire tu m'as fait mal, eh ben tiens, moi je te rends de l'amour à la place. Je me venge de cette façon-là pour te montrer que oui, tu m'as blessé, oui, tu m'as fait du mal, mais voilà, moi je suis au-dessus de ça. Je ne veux pas me rabaisser à ça et par conséquent, je préfère te donner autre chose. Mais c'est une forme de vengeance aussi, voyez? Donc pour moi on est plutôt dans ce type de vengeance là, c'est-à-dire rendez vraiment à votre partenaire ce qu'il vous a fait, hein, que ce soit en bien, en mal, mais ce sera à vous de doser les choses et c'est comme ça aussi que vous allez peut-être pouvoir doser le brasier, hein. Voilà donc pour notre guidance amoureuse, les amis. Bon, vous avez encore du travail cette semaine à faire. Et je compte sur vous pour mettre en place ce que je vous dis. Parce que sinon, ça sert strictement à rien que je fasse des guidances si vous ne suivez pas mes conseils. Hein. Franchement, ça sert vraiment absolument à rien. Allez, maintenant, on termine avec notre astrochance de la semaine. Allez les amis, l'astrochance de la semaine. Donc pour les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue sur la chaîne, je vais un petit peu vous expliquer rapidement le concept. L'astrochance, comme son nom l'indique, on va utiliser l'astrologie pour définir le taux de chance. On va faire ça donc avec les 12 signes astrologiques. Coupe. Allez les amis, on part donc pour notre astrochance de la semaine. Donc pour les petits nouveaux à qui je souhaiterais la bienvenue sur la chaîne, je vais vous expliquer rapidement le concept. L'astrochance consiste, eh bien, à définir votre taux de chance en fonction de votre signe astrologique. On va utiliser pour cela deux sets de dés. Le premier est un set tout ce qu'il y a de plus classique avec des plus 1 jusqu'à plus 6 pour un score de 24 points. Et on va utiliser un autre set de dés avec des plus et des moins pour venir additionner ou
soustraire des points en fonction du score que vous aurez. Donc le score maximal que vous puissiez faire, c'est 28 points, et le score minimal, eh bien c'est 0 forcément, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a encore jamais eu de 0. Comme d'habitude, on lutte contre la discrimination du bélier qui commence en premier et des poissons qui finissent en dernier. Donc je vais mélanger les signes astrologiques. Alors, l'astrochance n'a pas pour but de vous dire si oui ou non il faut que vous sortiez de la couette cette semaine. Hein. Non, c'est juste pour un petit peu vous encourager, pour vous dire si un projet sera plus favorable ou pas cette semaine, si effectivement on vous encourage ou non à vous lancer dans telle ou telle action, si la chance est avec vous ou pas. Voilà, c'est surtout pour vous donner plus une indication. Allez, c'est parti, roulement de tambour, on commence avec les Vierges. Les Vierges, ouh, les Vierges, elles commencent fort, les Vierges. On a 5 et 5, 10 et 6, 16 et 2, 18, 18. On a un petit moins, on a un petit plus, ça reste à 18. Les Vierges, c'est une jolie chance que vous avez. Je crois que la semaine dernière, vous aviez aussi une jolie chance. Donc, profitez-en, vous êtes toujours en veine. Cette semaine est encore une semaine positive pour vous et qui est favorable pour vous aider dans vos différentes actions et démarches. Les Balances. Les Balances, 6 et 4, 10, pardon, il y avait le moins comme ça, 6 et 4, 10 et 6, 16 et 2, 18, 18, ah c'est dommage les Balances, vous auriez pu presque faire comme les Vierges, vous avez 3 moins donc du coup ça fait 15 et vous avez un plus ça fait 16, bon les Balances ça reste quand même un joli score, donc pareil la chance est aussi avec vous, la semaine dernière aussi vous aviez une jolie chance, bah tout, pratiquement tous les signes, il y avait que les Poissons, on était pile sur la moyenne, mais sinon tous les signes avaient quand même une chance qui était assez positive, assez élevée. Donc Balance, pareil, c'est une semaine qui est encore favorable, qui est encore positive pour que vous puissiez continuer les projets que vous aviez commencé la semaine dernière, pas la semaine prochaine. C'était un lapsus révélateur, peut-être que vous aurez des résultats sur la semaine prochaine. Mais voilà, continuez, cette semaine est encore favorable pour vous. Les Sagittaires. Les Sagittaires, ouh, ça m'a l'air joli les Sagittaires. Ah, c'est dommage, je vois 3 moins. 6 et 4, 10, 6 et 5, 11, ça nous fait 21 points ça les Sagittaires. C'est bête que vous ayez les 3 moins, vous auriez pu être en tête les Sagittaires. 3 moins du coup, ça nous fait 18 points. Bon, c'est quand même joli, c'est comme les Vierges, c'est quand même une jolie chance. Donc pareil pour vous mes amis Sagittaires, continuez, la semaine est encore favorable pour vous. La chance est encore dans votre signe, donc c'est le moment de continuer toutes les actions que vous avez entreprises, le COD est placé avant l'auxiliaire avoir, donc du coup on accorde, donc c'est les actions que vous avez entreprises. Allez les Capricornes. Les Capricornes, on a 4 et 1, 5 et 5, 10 et 4, 14, on a 2 petits moins, ça nous fait plus que 12, mais on a un petit plus pour relever tout, ce qui nous passe à 13. Bon, les Capricornes, c'est une chance qui est moyenne, mais quand même, vous avez un petit point de plus par rapport à la moyenne, hein, puisque la moyenne de 24, c'est 12, vous êtes donc au-dessus de la moyenne. Donc, ce qui veut dire que la chance est avec vous, bien quand même que vous ayez un petit truc en plus, c'est-à-dire que cette semaine, si les choses se font, c'est que ça devait se faire. Si ça ne se fait pas, n'ayez pas de regrets, ça ne devait pas se faire, tout simplement. Par contre, il pourrait y avoir peut-être un petit coup de pouce, un petit quelque chose en plus qui pourrait vous aider, qui pourrait vraiment être, comment on pourrait dire, le petit déclencheur de quelque chose. Si vous avez besoin d'une aide particulière, eh bien peut-être que vous aurez un petit coup de pouce pour acquérir ce que vous convoitiez. Les Béliers. Les Béliers, on a 6 et 3, 9 et 1, 10 et 2, 12, 2 moins, 2 plus. Et bien les Béliers, vous resterez à 12, donc vous êtes pile poil sur la moyenne. Donc pour vous mes amis Béliers, cette semaine c'est quitte ou double. Si ça fonctionne, c'est bien, ça devait se faire. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, il y aura pas de conséquences. C'est que ça devait pas se faire, j'arrive plus à parler. Ça ne devait pas se faire tout simplement. Les Cancers. Ouh là là, les Cancers, et ben grand chelem pour les Cancers, bravo, bravo, puisque vous avez les 4-6, donc vous avez 24 points. Ah, attendez, moi je suis à l'envers,
Il faut que je sois comme ça, voilà. Donc, bah, les cancers, bravo, vous avez 24 points. Vous avez un plus, un moins, donc ça annule en fait. Donc, les cancers, et bah, félicitations. Cette semaine, c'est vraiment votre semaine. Là, pour le coup, la chance, elle est au top du top. Donc, j'ai envie de vous dire, vous pouvez essayer à peu près tout et n'importe quoi. Normalement, tout devrait vous réussir. Donc, je vais vous inviter à jouer au loto. Et comme je vous ai quand même annoncé la bonne nouvelle et que c'est quand même grâce à moi que vous allez gagner, je compte sur votre gratitude, hein, voyez-vous, vous avez mon lien PayPal. Non, mais blague à part. Blague à part, les cancers, pour le coup, c'est vraiment une très très belle chance. Donc profitez-en cette semaine. La chance est avec vous sur tous les plans. Vraiment, bravo. Je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'astrochance qu'on fait un grand chelem comme ça de 24 points. Les taureaux. Les taureaux. Alors les taureaux, franchement, il va falloir s'accrocher parce qu'après 24 points, tous les autres signes, là, ça va être compliqué de faire mieux quand même. Mais c'est encore possible. Alors les taureaux, vous faites 6 et 4, 10, 5 et 6, 11, vous faites 21 points. Les taureaux, avec un plus, vous faites quand même 22 points, les taureaux. C'est pas 24, mais c'est pas mal du tout, hein. Donc pareil pour vous, mes amis taureaux, c'est une jolie chance qui est avec vous. Donc qui dit jolie chance dit belle semaine. Donc n'ayez pas peur d'être à l'initiative des choses. Vous pourriez être fortement récompensé pour les actions que vous pourriez mettre en place. Donc vraiment, allez-y, c'est une belle semaine qui s'amorce pour vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on a 3 et 3, 6 et 4, 10 et un petit 1, ça nous fait 11, 11, 11, on a 2 moins, on passe du coup plus qu'à 9, on a un petit plus pour remonter, on passe à 10. Les Gémeaux, et ben pour le coup, vous êtes en dessous de la moyenne, donc ce qui veut dire que c'est une petite chance. Donc bah, ben, à l'inverse, pour vous, c'est pas une bonne nouvelle que je vous annonce, c'est-à-dire que cette semaine, essayez plutôt de vous contenter de ce qui est déjà acquis, de ce qui est déjà mis en place, laissez passer les énergies, mais c'est pas forcément une semaine qui serait très propice pour essayer de nouvelles choses. Voilà, restez plutôt tranquille sur cette semaine. Et surtout, ne soyez pas déçus si vous voyez qu'il y a des projets qui ne se font pas, parce que bah, la chance ne vous accompagne pas. Les lions. Les lions, on a 6 et 4, 10, 1 et 1, 2, ça nous fait 12, 12, hein, c'est dommage, les lions, vous avez 2 moins, vous passez à 10, donc même conseil que pour, c'était les gémeaux. Même conseil du coup pour les gémeaux. Semaine tranquille, la chance n'est pas forcément de votre côté, donc contentez-vous de ce que vous avez, contentez-vous de vos acquis, contentez-vous de votre petit quotidien, et puis laissez passer aussi le flux d'énergie, hein. Peut-être que les lions et les gémeaux, vous êtes peut-être dans un flux un peu comme un orage, hein, un orage cosmique qui fait que la chance ne serait pas avec vous. Donc du coup, voilà, contentez-vous de ce qu'il y a à l'heure actuelle et ne soyez pas gourmand. Les poissons. Les poissons, allez, un joli score, les poissons, pitié. Les poissons, alors 6 et 4, 10, 6 et 5, 11, ah, ça nous fait 21, 21, on a un petit moins, ça nous fait plus que 20, et on a 2 plus, ça nous fait 22. Ah, oh, les poissons, on fait partie du podium. En deuxième position, ex aequo avec les taureaux. Donc les poissons, 22 points sur 24, c'est une très jolie chance. Donc ce qui veut dire que normalement, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. Normalement, tout devrait vous réussir. Donc là, je vais vous laisser et je vais vite aller jouer au loto. Donc en fait, les cancers, si vous gagnez au loto, j'ai pas besoin en fait de votre argent puisque du coup, je vais en gagner. Voilà. Allez, j'arrête mes bêtises. Les scorpions. Les scorpions, vous avez 6, ah bah attendez, 3 et 2, 5 et 5, 10 et 6, 16, 16 et un petit plus, ça nous fait 17. Et bah les scorpions, c'est pas mal, 17 sur 24 aussi, c'est une jolie chance. Donc pareil pour vous, amis scorpions, c'est une belle semaine qui devrait aussi s'annoncer pour vous, donc profitez-en. C'est le moment aussi de mettre en place les choses, hein, tout ce que vous aviez commencé, parce qu'il me semble que vous aviez aussi une chance qui n'était pas trop mal la semaine dernière. Donc continuez sur cette lancée-là, continuez à surfer sur cette vague et les choses devraient bien se terminer. Et enfin, pour vous, amis Verseau.
Les Verseaux, vous faites 3 et 3, 6 et 6, 12 et 5, 17. J'en étouffe. 17, on a un petit moins, ça nous fait 16. Et on a 2 plus, ça nous fait 18. Donc, amis Verseaux, 18 sur 24, c'est une jolie chance pour vous aussi. Donc, pareil, continuez, surfez sur la même vague que la semaine dernière. Parce que, idem, vous aviez aussi une chance qui était pas trop mal. Donc, vous continuez sur tous les travaux, sur tout ce que vous avez commencé à mettre en place, et vous devriez aussi commencer à récolter peut-être certaines choses où il devrait y avoir peut-être... Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de vous dire qu'il y aura peut-être des placements qui vont se révéler être fructueux. Voilà. Bon, je vous transmets ça, ça m'est venu d'un coup, donc je vous le transmets comme ça me vient. Voilà donc mes amis pour nos énergies de la semaine du 5 au 11 juillet. Et ce sera tout, mes chers amis, on va se laisser donc sur ces belles énergies. N'empêche quand même, il y a des choses qui étaient pas mal qui sont sorties hein, pour ce tirage, hein, honnêtement. Alors oui, il y a cet aspect un petit peu sombre, des choses qu'il faut lâcher. Mais parfois, ça peut être bien aussi de lâcher tout ce qui nous retient. Ça permet de pouvoir avancer de nouveau et je pense que c'est ce qu'il va falloir travailler sur cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que pour le coup, elle est très complète avec le rituel en plus. Donc vous avez de quoi faire. Moi, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.